Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h sur la RTNC. C'est parti pour une demi-heure d'information. Drame au marché de la Liberté, 290 commerçants éligibles à l'aide d'urgence promise par la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, ont reçu cette assistance hier. Les familles se sont senties soulagées et ont exprimé leur gratitude pour ce geste de consolation. Reportage, Jemi Madiane, Mogo, Pompon Oumba et Djokoukou. De la Liberté, une tente géante dressée au jardin des premiers à la primature. Ce mardi 3 septembre 2024 est un jour inoubliable pour ceux qui pensaient que leur rêve était emporté par les flammes ayant consommé leurs marchandises au marché de la Liberté le mois dernier. Comme promis, la première ministre passe à l'action pour soulager la peine des familles. 290 commerçants éligibles sont concernés. Loko maman ministre Sali Tondima Kité. Pas doute ezala ke kozala solo be kozala lukuta. Mais maman la xipa kazali maman a tali biso pena pour un moment au peba na classe. A sungi biso pena a longoli pena ba poto tozaki na mitema. Donc nazaki na passe ma case posant sa maman et consola ingai. Na espéra qui na ba parole ya maman et puis na moni yango. Donc na pesie ba merci si kezo mie. Nzambe na lola apambola ye abosana eta mukolo moko ti. Tengelito, ministre délégué en charge de la politique de la ville, représentant la chef d'un gouvernement à cette cérémonie, a réaffirmé la détermination du gouvernement à trouver des solutions aux problèmes des populations malgré le contexte économique difficile. Le représentant du gouverneur de la ville, les élus provinciaux de Kinshasa et le député national Ogi Kalonji, membre de la commission mise en place pour identifier les vraies victimes, ont salué la sensibilité de la chef du gouvernement. La gratitude à l'action de la première ministre est spontanée aux yeux des bénéficiaires pour qui une femme reste une mère. Le président de la République avait raison sur ce choix. Merci à mon papa Fachi Béton à cause de la choix. Alors, je pense bien que à cause de la choix. Je pense que maman a dit que je suis en train de me faire parce que je suis en train de réalité. Merci maman, merci, puisque à l'année initiative, il y a chef de l'État. Dans la continuité, après cette aide d'urgence, il est prévu la remise des fonds de redémarrage des activités commerçantes. Pour éviter la répétition des drames, le marché de la Liberté sera modernisé. Autre chose, parlons de la célébration de la Journée internationale de la paix. La MONUSCO vient de lancer une série d'activités avec les étudiants des différentes facultés des institutions supérieures de Kinshasa sur la sensibilisation axée autour de la lutte contre la désinformation et le discours de haine placé sous le thème « La culture de la paix ». Reportage Mamita Bangolo et Eric Djoquet. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre de l'année, en prélude de cette journée, la division publique de la MONUSCO a organisé une rencontre avec les étudiants, toutes tendances confondues, de Kinshasa sur le thème « Promouvoir une culture de la paix » qui doivent être cultivées dans l'esprit des enfants et des communautés grâce à l'éducation formelle et informelle à travers le pays et les générations. La paix n'est pas simplement l'absence des conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise les dialogues et les règlements des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Au nom de la directrice de la division de la communication de l'information publique de la MONUSCO, Sakai Oka, le directeur adjoint de la radio Okapi, M. Mamadou Ba, a exprimé sur la tolérance au partage, au respect de la paix. Les Nations Unies appellent tous les pays et peuples à cesser les hostilités et à consacrer cette journée à des activités éducatives et de sensibilisation. Y compris de cette émission emblématique et s'exprime à travers des campagnes artistiques comme le graffiti. De son côté, le professeur Kojo Lukuma, expert en droit numérique, a donné les stratégies pour éviter la désinformation. Il y a des personnes qui sont formées pour pouvoir répondre du tic au tac à des tweets. Ces gens sont également formés à avoir des éléments de langage sur les technologies qui permettent de mixer des images, de mixer des sons et même d'utiliser l'intelligence artificielle.
Pour sa part, l'artiste musicien Yekima a donné le sens de l'utilité de la transmission de son savoir à travers sa musique sur l'appel à la culture de la paix. Bref, la journée s'est terminée par des jeux de questions-réponses des étudiants vers les orateurs du jour. La sensibilisation de l'épidémie Mpox en milieu scolaire, le vice-ministre a poursuivi justement sa tournée dans le cadre de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025, mais cette fois-ci dans les provinces éducationnelles de Plateau et de la Tchangou pour faire les constats. Reportage. Un nouveau programme est mis sur pied pour cette nouvelle année scolaire. Il s'agit de la nouvelle citoyenneté qui sera dispensée pour les élèves du primaire et du secondaire en République démocratique du Congo. Une initiative de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. Une annonce faite par le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamundo, lors de la ronde qu'il a effectuée dans les provinces éducationnelles du Plateau et celle de la Tchangou. L'occasion pour le vice-ministre d'inviter les acteurs éducatifs au respect des mesures édictées pour les Mpox en milieu scolaire. Dans notre pays, l'unique ministère habilité à fermer les écoles, les marchés à cause d'une épidémie, c'est le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé a dit qu'il n'y a pas encore un grand danger si nous respectons les mesures barrières. C'est ainsi que le ministère de la Santé a reconduit les mêmes mesures barrières qu'à l'époque du coronavirus. Si nous respectons toutes ces mesures-là, qui ont suffisamment démontré de leur efficacité à l'époque du coronavirus, nous allons rompre la chaîne de transmission de Mpox. Satisfait de l'effectivité dans cette partie est de la ville-province Kinshasa, Jean-Pierre Kezamundo, accompagné du ministre provincial de l'Éducation, a exhorté les élèves à prendre conscience des études pour préparer leur lendemain, gage du développement du pays. Alors que l'actualité reste dominée par la rentrée de classe sur toute l'étendue du territoire national, dans la province du Kasaï à Tchikapa, les enseignants du territoire de Dékessé plaident pour que leur salaire soit payé par Caritas Luebo, faute d'une banque payeuse sur place à Dékessé. Regardez. Géré par les diocèses décollés, les enseignants du territoire de Dékessé qui se trouve dans la province du Kasaï accusent 3 mois d'impayement de leur salaire pour cause la Caritas Kolé s'est désengagée de la paye des enseignants de Dékessé. Le territoire de Dékessé jusqu'à présent est en 3 mois de retard de paye parce que ce territoire est géré par les diocèses décollés. Et Kolé, c'est au Sankourou, dans la province de Sankourou, aux autorités qui nous écoutent à travers votre micro, de vouloir s'impliquer pour trouver solution afin que les enseignants de Dékessé soient même gérés ou payés par la Caritas de Mweka, qui est territoire voisin. Djoring Andomwana Lukengu exprime également ses sentiments de grande satisfaction de voir pour toute la première fois une ministre nationale en charge de l'éducation venir lancer la rentrée scolaire dans la province du Kasaï. C'est une immense joie de recevoir notre ministre de tutelle, Excellence Raissa Malou-Dinang, qui est venue ici pour le lancement de la rentrée scolaire 2024-2025. Pour la toute première fois que le ministre national de l'EPST foule ses pieds à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, afin de lancer une telle activité. Et aux parents d'élèves du Kasaï, le directeur provincial de la Dinakopé ne formule qu'une seule demande. Je demande premièrement aux parents qui prennent encore avec les enfants à la maison de les envoyer à l'école parce qu'il n'y a pas de développement sans école, il n'y a pas de développement sans instruction. Profitant de notre micro, le directeur provincial de la Dinakopé Kasaï 2 encourage les enseignants d'être assidus au travail. Et puis cette question, comment faire pour outiller les différentes personnalités de la province du Kasaï oriental à la gestion responsable en vue de contraindre tous les réseaux mafieux et d'assurer la bonne gouvernance? Eh bien, des échanges d'expériences dans le cadre de renforcement de capacités ont été organisés à cet effet en termes d'un séminaire reportage.
Le gouvernement provincial du Kasaï oriental a organisé un séminaire de renforcement des capacités, d'échange d'expériences réussies et de consolidation des acquis à l'attention des ministres provinciaux, des secrétaires exécutifs et des membres du cabinet du gouverneur de province et des ministres provinciaux. Objectif de ces assises de 6 jours est de permettre aux participants de disposer des outils de gestion capables de tacler les boulons d'étranglement de tout genre qui pourraient faire obstacle au bon fonctionnement du gouvernement. Le coup d'envoi de ce séminaire a été donné par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwakapo. À cette occasion, le facilitateur de ce séminaire a salué la détermination du gouverneur de province. Jean-Paul Mbwebwakapo a travaillé avec un gouvernement efficace dont les actions sont axées sur les résultats. Un gouvernement capable de traduire le programme de son gouverneur. L'autorité provinciale, pour sa part, a donné l'importance de cet atelier. Je reste convaincu que ce séminaire va permettre de donner une nouvelle impulsion au pilotage du gouvernement provincial et que la capitalisation de ses acquis par les membres de l'équipe gouvernementale que vous êtes fixera donc les bases d'une gestion efficace et efficiente de notre action gouvernementale. Je vous invite à capitaliser les notions de ce séminaire afin d'être véritablement des soldats engagés dans la guerre qui est le redressement de la province du Kasaï oriental afin de placer sur l'orbite du développement intégral. Rappelons que ce séminaire durera 6 jours. OS de la population du Kasaï en ce qui concerne la route nationale numéro 1, en tout cas si l'on y prend garde, elle risque d'être coupée à l'approche de la deuxième pluie tronçon Luangé Chikapa à regarder. Démarré il y a 8 jours, ce séminaire a été clôturé comme à l'ouverture par le gouverneur de province, Jean Moïse Kamboulou, en présence de quelques députés provinciaux, ministres et membres de son cabinet. Appuyé par le projet Encore, ces travaux ont connu la facilitation des experts de l'autorité de régulation des marchés publics venus de Kinshasa, à qui a été associée la contribution locale. Venus de plusieurs services, entités territoriales et organisations de la société civile, les participants ont déclaré avoir bénéficié de connaissances pouvant les aider à améliorer les qualités de travail. L'un d'eux, Albert Ngalamouloumé, formule quelques recommandations. Au gouvernement provincial, de respecter la procédure des passations de marchés publics. Installer les cellules des passations des marchés publics dans tous les ministères, les ETD, ainsi que dans certains services publics. C'est conformément à l'esprit des réformes entreprises par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre des finances publiques, les chefs de l'exécutif provincial du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a réagi séance tenante. Étant donné que l'objectif de cette activité était de favoriser l'appropriation du nouveau cadre légal et réglementaire des marchés en faveur des cadres et agents de ma province, œuvrant au sein de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, et ce, de la direction provinciale de contrôle des marchés publics, ainsi que les autres parties prenantes sur le contenu du manuel de procédure de contrôle a priori d'exécution des marchés publics, je vous exhorte donc à matérialiser les enseignements reçus ici. Comme annoncé avant, ce séminaire sera suivi de celui en faveur du gouvernement provincial, lequel portera sur les dialogues fiscaux. Besogne, vous venez de suivre la clôture du séminaire sur les passations de marchés publics dans la province du Kasaï central. D'une province à une autre, la province du Kasaï oriental, la vice-ministre de l'Intérieur a déployé plusieurs activités dans le cadre de son ordre de mission. Elle en a profité également pour communier avec la Ligue des femmes du parti au pouvoir UDPS. Reportage. Après avoir été accueillie avec faste à Mbujimayi, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba, la délégation de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, conduite par la Ligue de femmes, a été reçue par le numéro 2 de la territoriale au pays pour un entretien. Une première, selon ses hôtes, de voir un membre du gouvernement central issu du parti présidentiel s'entretenir avec un haut cadre sur les questions prioritaires, axées notamment sur le soutien aux institutions de la République. Eugénie Tshiela Kamba a invité ses pairs de l'UDPS à ne pas baisser le bras, mais
de continuer à soutenir sans faille le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision portée par le gouvernement souminois sur le peuple d'abord. Nous venons de discuter avec notre vice-ministre de l'Intérieur, Edjeni Tshielakamba. Au cours de nos discussions, nous avons décidé de prendre l'engagement de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tout son gouvernement. Nous sommes très satisfaits pour la première fois au sein de l'UDPS d'être reçus, nous, Ligue des femmes, par un ministre du gouvernement, ici au Kasaï oriental. Un bon moment de partage et de fraternité entre la vice-ministre de l'Intérieur, Edjeni Tshielakamba, et ses pairs femmes du parti présidentiel. L'union doit demeurer. Cette forte délégation s'en va rassasiée de toutes les préoccupations. Chose, le commandant de la 34e région militaire a visité hier le camp militaire Katindo. Le général-major Adigba Nzambe, Dieu gentil, est allé réconforter les militaires victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans les camps. Regardez. C'est pour loger les militaires et non pas être des locataires dans les camps militaires. Le commandant 34e région militaire et commandant Task Force du Nord Kivu, le général-major Alain Nguyen Zambé, Dieu merci, a décidé qu'il n'y ait plus question de locataires civils ni des bailleurs civils dans le camp militaire de camp Katindo à Goma. C'était lors de sa descente dans ces camps après un incendie qui a ravagé une dizaine de maisons avec pour bilan humain d'une mère et ses deux enfants qui ont péri dans l'incendie. Peu après, le général Nzambe s'est rendu à l'hôpital militaire régional de Goma pour visiter les militaires et Wazalendo, blessés des guerres, à qui il a transmis le message de soutien du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Tshiwewe Sungisha. Profitant de son passage au camp Katindo, le commandant 34e région militaire a visité la nouvelle morgue moderne en construction à cet hôpital de Goma d'une capacité de 96 corps grâce au financement de maman Denise Nyakiro, première dame de la RDC. Ce qui a réjoui le commandant de cette structure militaire, le colonel Muyumba, soulignant que le commandant Task Force du Nord Kivu ne cesse de se soucier du social des militaires dans la région sous sa responsabilité. Le ministre des Affaires sociales et le diocèse de Goma vont nouer un partenariat pour une prise en charge efficace des enfants orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur. La ministre des Affaires sociales Aziza Mounana a rencontré Mgr Willy Ngimbi, évêque de Goma, à cet effet. Reportage. Dans le cadre d'un partenariat qui sera conclu entre l'orphelinat Don Bosco de Goma et le ministère des Affaires sociales dans la prise en charge des enfants victimes de la guerre et leur scolarisation, accompagnée de la députée nationale élue de Rutshuru, Maggie Wakabuba, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a échangé avec Mgr Willy Ngumbi, évêque de Goma, qui a promis de soutenir la ministre dans ses démarches. J'ai beaucoup aimé de voir son souci qu'il a de pouvoir venir en aide aux enfants orphelins des militaires qui sont morts sur le champ de bataille, dont les parents versaient leur sang pour ce pays. Il est important que ces jeunes-là qui sentent que le pays les aime, et le pays les considère, le pays veut les aider à devenir quelqu'un dans leur vie parce que leurs pères ont vraiment versé leur sang. Direction Don Bosco, après avoir palpé les réalités de l'orphelinat, Aziza Mounana a remis un lot important de vivre et non vivre, pouvant tenir pour 3 mois. Pour le père Kizito, responsable du centre Gangui de Don Bosco, Aziza Mounana a su concrétiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la recherche de l'amélioration du social, ce qui justifie son abnégation dans la quête du bien-être social tel que voulu par le gouvernement souminois.
Et puis, cap en Ituri pour parler d'une très bonne nouvelle. Il s'agit de la remise de 3 bâtiments construits et équipés en faveur de la police nationale congolaise, commissariat de l'Ituri. Et c'est l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Barlanga Martinez, en compagnie du gouverneur, qui ont procédé à la remise de ces infrastructures. Reportage Junior Selemani. Il s'agit ici de 3 bâtiments modernes équipés aux côtés des engins roulants, dont une Jeep et 13 motos remis ce jour à la police nationale congolaise. Cette œuvre de l'Union européenne qui profite au commissariat provincial de l'Ituri est une preuve éloquente qui vient renforcer la capacité opérationnelle des éléments de la police à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. En effet, parce qu'on a bien vu les avancées qui ont été faites ces derniers temps. Votre bon travail, ça peut servir d'exemple pour d'autres qui sont dans des circonstances pareilles. Donc je vous encourage vraiment à continuer ce travail. Et la police est un élément central de toutes ces actions. Occasion pour le commissaire général adjoint en charge de la police administrative d'appeler les hommes en uniforme à utiliser intelligemment ces meubles et immeubles. Je souhaite donc, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, de veiller à l'entretien régulier du temps de séjour et à l'utiliser en bon père de famille. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, a aussi salué l'attention particulière du président de la République sur l'Ituri. J'invite tous les Ituriens à faire confiance aux institutions légalement établies et à la police nationale congolaise. Disons que ces nouveaux bâtiments vont davantage contribuer à la sécurité de la population de Bounia, une ville de plus de 2 millions d'habitants qui émerge à chaque lever du soleil grâce au sens de développement élevé du lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Et puis, l'Union européenne s'engage encore à appuyer la réforme de la sécurité et de la justice en vue d'imposer la paix dans la province de l'Ituri. L'ambassadeur de l'Union européenne, accrédité en République démocratique du Congo, l'a déclaré à son arrivée justement en Ituri à Bounia. Regardez. Cette deuxième mission de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC sur le sol ituriens sous état de siège vient confirmer l'implication de cette organisation européenne à appuyer les efforts de paix consentis par l'administration militaire de l'Ituri. Depuis ma première visite, moi j'ai exprimé que pour l'Union européenne, la province de l'Ituri serait une priorité. Demain, on va sur un projet d'appui à la réforme de la sécurité et de la justice. On va avoir l'opportunité de donner visibilité à quelques travaux et quelques équipements qui vont être livrés à la province de l'Ituri. Cependant, les efforts de paix conjugués par le gouvernement provincial de l'Ituri ont une fois de plus marqué l'attention de Berlinga Martinez. Je peux voir depuis ma dernière visite qu'il y a eu des progrès dans le sens de récupérer de l'espace en faveur de l'État. À cette occasion, le numéro 1 de l'Union européenne en RDC en a profité pour interpeller la conscience de la population ituriennes, c'est les violences faites contre les femmes, un fléau qui ronge la partie est du pays. Dans les efforts déjà énormes qui font les institutions provinciales, je voudrais faire un appel à la conscience citoyenne en faveur de la lutte contre ces violences contre les femmes. Précisons que, depuis un certain temps, l'on constate de plus en plus la présence de partenaires de taille du gouvernement congolais en Ituri, un indicateur important de l'attention de la communauté internationale sur cette province qui voit l'espoir d'un avenir meilleur naître seulement grâce à l'état de siège sous le leadership du lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, qui applique sans faille la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province du Haut-Katanga, pour parler de la rentrée scolaire qui a eu lieu sans tension sociale, les forces vives du Haut-Katanga rassemblées autour de la vision Fatih rénovée ont salué cette attitude citoyenne du corps tout en réitérant leur soutien à la gratuité de l'enseignement. Reportage.
Les débuts de 9 mois de cours est lancé en RDC depuis ce lundi 2 septembre et les écoliers congolais sont de retour après quelques mois de vacances. Un moment de retrouvailles qui lie enseignants, élèves et parents d'élèves disposés à faire respecter le calendrier scolaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Fais ancienne l'éducation de base tout en insistant sur la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kalimbui, le président de la Vision Fatshi Rénovée, a réuni les parents d'élèves à Lubumbashi pour leur demander d'envoyer les enfants à l'école. Question de couper court à tout faux bruit qui circule, faisant état d'un quelconque report de la rentrée scolaire. Malgré la menace persistante de l'épidémie Mpox, Kalimbui, le numéro 1 de la VFR, les a sensibilisés à ôter la peur et à respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires congolaises dans les cas d'espèce. Pour ces soldats de Fatshi, l'avenir des écoliers louchois, c'est aujourd'hui, pas demain, et cela passe par une bonne instruction. En outre, le patron de la VFR a félicité le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kaboula Katwe, qui, selon certaines statistiques, a hissé la province du Haut-Katanga parmi les meilleures provinces dans les cadres de l'éducation. Par ailleurs, Kalimbui a mis tout en œuvre pour les parents d'élèves membres de la Vision Fatshi Rénovée en leur distribuant des kits, fournitures scolaires et autres objets classiques afin de répondre favorablement à cette rentrée scolaire. Parmi les axes prioritaires de l'actuel gouverneur Jean-Colin Makaka, le chef de l'exécutif provincial vient de mettre en place une taxe conventionnelle pour permettre le décollage économique. Il a expliqué le bien fondé de cette taxe aux opérateurs économiques de sa province en reportage. La reconstruction et les redressements de la Mongala s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement provincial de la Mongala, dirigé par maître Jean-Colin Makaka Papekaka. A ce titre, le numéro 1 de la Mongala a réuni ce mardi 3 septembre 2024 les opérateurs économiques des territoires de Bumba dans la salle polyvalente. A cette occasion, le gouverneur de province a remercié ces derniers pour leur présence à la réunion avant de leur expliquer l'importance de la nouvelle taxe renommée taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la Mongala. À en croire le gouverneur des provinces, cette taxe permettra à l'exécutif provincial de se doter de ses moyens pour faire sa politique de la reconstruction de la province, a fait savoir le gouverneur des provinces aux opérateurs économiques présents en présence des honorables députés provinciaux. Omer Makungu et le président de la FEC Bumba remercient le gouverneur des provinces pour son initiative. Nous, on a remercié monsieur le gouverneur, maître Makaka. Pour nous, les opérateurs économiques, c'est la toute première fois qu'un gouvernement s'échange avec les opérateurs économiques. Alors, par rapport à cette taxe-là que vous baptisez une nouvelle taxe, je vous dis que c'est une ancienne taxe qui a été créée depuis 2018 par l'ordonnance du président de la République. La taxe, c'est sur la nomenclature des droits et taxes et redevances. Lui, l'excellence, il est venu activer cette taxe-là, qui a une grande importance pour la reconstruction de notre province. Et ce sont des consommateurs qui vont payer cette taxe-là. Ça ne peut pas toucher le capital des opérateurs économiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation des Anita Louambois. Restez branchés. À très vite. Au revoir.